Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour le big retour de course. Alors non, attendez, il y en a des énormes qui sont sur vos vidéos et nous on est petits par rapport à ça. Oui, bon, alors on a quand même fait des courses pour 2 semaines parce qu'on est allé chez Leclerc. Après. Et comme c'est quand même on a quand même 70 km d'écart plutôt que d'y aller toutes les semaines, on a préféré faire pour 2 semaines à chaque fois, ce qui fait que on a bien chargé. Merci de Scénic d'avoir un très grand coffre et surtout d'avoir survécu jusque là. Non, ça va. Bon, il faut changer les injecteurs, c'est bien. Un injecteur, voilà, mais ça va. On y va, c'est un peu plus wow le demi et ça va être fait. Alors, je vais vous dire ce que j'ai en survolé parce que j'ai mis de suite au congélateur. Ça peut faire partie des. Attends. Vas-y. J'ai mis au congélateur en arrivant. Alors j'ai deux paquets de pain au chocolat, de la viande hachée, des steaks hachés, des buns, 2 paquets de palais de légumes, oui, des cordons bleus, des légumes à ratatouille, du poisson pané, une poêlée. Poêlée, c'est à quoi? Parce que c'est pas la même. Bon, c'est de verre savoyarde, mais c'est une autre qu'on a. Rustique. Voilà, une rustique. Ah, la moussaka, on a bien la moussaka. On s'en branle, je vais la faire moi. Non, on n'a pas pris pour. Donc mais c'est pareil, on pourra la faire. Il faudra aller acheter. Et des rosti. Voilà, pour le sucre. Rusty. Des rosti. Rosti. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les rosti, ce sont des galettes de pommes de terre, frites ou au four, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous aimez et surtout. Voilà. Ouais, on va pas en faire plus. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Alors là, nous avons une huile de tournesol en 2 litres. On va le mettre directement. Attends, mais. Ça va ici. Voilà. Présente tout ce que tu as déjà à côté de toi. Ici, nous avons 10 tranches de jambon. Est-ce qu'il est bon, le jambon? Des œufs. Par 20, j'en ai qu'un. Pack de lait, on en a. Alors, n'engueulez pas ma femme, parce que les œufs, c'est moi qui ai dit, on s'en fout si c'est des élevés en plein air ou pas. On a besoin de faire des économies quand même, parce qu'on a le bois qui nous a été livré. Oh, mais cette fois, il nous a livré le bois alors qu'on ne l'avait pas payé. Il va attendre qu'on soit là exprès. Alors là, j'ai envoyé un message pour me dire, Laurent, je viens de payer où? Tu m'as laissé le bois, c'est très gentil, mais peut-être j'aurais fallu que je te paye. Bon, c'est très gentil, hein, c'est... Non, mais il n'est pas là, le bois. Voilà. On range en même temps. Après, c'est moi qui vais m'en ranger 3/4 de bois. Ouais, mais je les rangerai. Deux ou 3? Pourquoi tu m'as mis le robot là? Viens-moi ton robot. Non, il est fait exprès. Ah, c'est pour mon lait là. Mais lait. Alors, ensuite, nous avons 5 kg de patates. Ça, c'est sous toi. Quoi? Les patates. La patate. Avec ou sans patates? C'est sans patates. Les couches. Putain, il était pas rendu au bon endroit, c'est pas les bonnes. Ah ben là, elle aura pas trop de place pour pisser. Elles étaient rangées de là où il y avait les tailles 6. Chérie, Leclerc. Oui, pousse-toi un peu du milieu là. Je veux pas bouger. Non mais attends, on recadre tout parce que c'est vraiment pas carré. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que moi, on me voit pas alors. Oh, tu jaloux. Le grand de papier toilette, il y en a 24 dedans. Pour 2 semaines, je pense que ça va aller, niveau PQ. Ça dépend si tu as la chasse ou pas. Ouais. Nous avons un gros paquet de céréales, c'est Océane qui a choisi. Il y a 750 g de riz soufflé au chocolat au lait. Quand je souffle, si vous avez compris, il y a des fruits à pas. Ici, nous avons des petits princes. Il y a 2 paquets de princes. 3 paquets. 2. Ah, 2 x 3. Là, c'est au magasin, il devenait fou. Un adoucissant à la lavande. J'adore l'odeur de la lavande. Et puis, c'est doux. Puis, c'est bien, j'ai pris la bouteille comme ça la fois d'après. Quand il m'en refaudra, donc pas avant un bon mois, facile, je prendrai des berlingots pour recharger directement. Ici, nous avons 2 paquets de pain de mie. Ils étaient en date courte. Donc du coup, ils vont au congélateur. Non, mais il va être tout cassé. Non, oui, je ne les vois pas. Les baguettines, j'en ai 9 paquets. Parce que ça va servir pour les sandwichs à Loulou. Parce que là, il a travaillé en extérieur toute la semaine, à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Donc, ça va être pour lui faire des sandwichs.
Oui, parce que j'ai beau être à mon compte à faire des sites internet. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis noir. C'est assis. Là, nous avons des boulettes moelleuses. Des boulettes, des mémus. Des flans par 12 pour les petites mistinguettes. Le petit bout. Il pue ton déo. Mon déo à la grenade, celui-là. Qu'est-ce que je l'aime. Les aiguillettes. Alors, il y en a 5 paquets. C'est pour les sandwichs de loulou. Ici, pour ce soir, nous avons le pot-au-feu, donc les carottes. J'ai décidé de ne pas les prendre en paquet parce qu'ils se jettent à chaque fois. Oui, parce qu'elles s'abîment et quand on prend un sachet de 1 kg, alors que là, on en a 4, c'est ce qu'il nous faut. De l'emmental. C'est bien l'emmental, j'ai pris, il va jusqu'au 23 novembre. Donc, Et vous savez que manger de l'emmental, ça fait du bien au mental. Vas-y. Des scènes ! Parce que j'en ai marre de faire la vaisselle à la main. On a la vaisselle, mais j'ai plus de scènes. Là, j'ai pris, je crois qu'il y en a 40 dedans. Ouais, il y en a 40 dedans, c'est pour le mois. Des olives noires. Plus de 3 mois de lavage. Oui, mais nous, ils tournent tous les jours. Donc. Ils sont sans... Comment ça nous a fait la calcul à la fin ? En gros, c'est comme si tu faisais une machine toutes les semaines, quoi. Les autres paquets des billets. Nous avons des baguettes, on ne les présente plus jamais celles-là. Hein. Elles sont tellement bonnes, elles sont tellement baguettines. Des petits lardons. Il y a 2 paquets de trois, je sais plus. Il y en a déjà 2. Ben, on en a 3. Wow. Lardons. Plus, on les a déjà pris. Oh, le beurre. Elle est vire. Ça y est, on a pris de la marque. Là, on en a 2. Elle est vire. La margarine, tu l'as présentée ou pas? Pas encore. Voilà. De la margarine. Je crois qu'il y en a 2 aussi. Tiens, le beurre. Voilà, la deuxième. Des gnocchis. Des gnocchis. Je vais vraiment finir par croire que je fais mal la cuisine. Je les ai prises au cas où tu sois au travail. Oui, bien sûr. Du Nesquik. Oh, ça, c'est bon, ça. Alors, j'ai vu la... Alors, pour ceux qui aiment le chocolat en poudre Nesquik, j'ai vu qu'il y avait le nouveau Nesquik All Natural, donc avec des produits naturels. Je ne sais pas si vous l'avez goûté. Si c'est le cas, faites-nous part dans les commentaires dans de cette... Quoi ? Un retour sur... Ouais, voilà, dans les commentaires, si vous avez pu voir ou goûter ce Nesquik-là. Et voilà, j'ose pas le prendre parce que vous savez que moi, et les fruits à coque, etc., c'est pas trop mon style, c'est trop mon fort. Un paquet de chips pommes rouges. Ça va être avec des saucisses qu'on a pris. Les lardons, il y a pour des carbonara, pour un gratin dauphinois et pour une ratatouille. Parce qu'on met... Non, pas ratatouille. Enfin, pour autre chose. Ça ne vient pas. Ici nous avons des Bjorg, ça c'est pour moi. Alors j'ai voulu les prendre. Donc ça c'est des galettes de riz. Normalement c'est nappé de chocolat au lait, comme vous avez pu le voir. Mais il n'y en avait plus. Donc du coup il y avait caramel ou café et moi j'ai pris caramel. Ben, vous savez quoi, je vais vous faire un retour de suite. Je vais vous dire qu'elles sont bonnes, c'est la première fois qu'il les prend. Elle s'ouvre pas celle-là. Oh, ça peut dire. Là-bas. Ça sent la chicorée, ma parole. Ça sent le caramel. Ils aiment pas. Ainsi, donc nous avons des knackis végétales. Je sais pas si vous avez compris, je viens d'y laisser une dent. Et des knacks normales, ça ira avec les chips. Et ça, c'est chéri qui s'est pris pour son petit plaisir, des knacks végétales. Parce qu'on les trouve qu'à Leclerc. Voilà pourquoi on allait à Leclerc aussi. Parce qu'à Casino, on ne trouve pas tous les produits qu'on avait l'habitude de trouver au Leclerc. Une bûche, ça va. Il n'y a plus dedans. Un petit fromage de chèvre, une petite pyramide fondante. Mais c'est pour moi.
Ici, nous avons les baguettes qui nous ont encore une brisée, une feuilletée. Tu m'as brisé le cœur. Les indispensables. Et tu m'as feuilleté le cerveau. Nous avons du sel ici. Très important, le sel. J'espère que vous êtes bien assis. On a encore 3 cabas. Ici, nous avons, pour allumer le bois justement qu'on nous a livré, des allume-feu pour cheminer. J'hallucine ou il nous pique le bois aujourd'hui? Qui? Attends, vas-y. Je lui ai mis le bois dehors, c'est parce qu'on nous prend le bois, je lui dis, fais le prix qu'on le paye. Bon, nous on continue. Alors? Non, c'est bon. Donc, l'allume-feu. Tu m'abandonnes? Là, nous avons 2 paquets de panais de poulet. Ça, ça va être, je sais plus si c'est avec des haricots verts. C'est avec quelque chose de vert, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, vas-y. J'aimerais rappeler quelque chose parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'incroyable avec là. Il y en a 4. Ouais. Il y a des autres qui sont plus près. Justement, il y en avait plus dans les rayons. Et en fait, y avait un mec qui s'est jeté dessus, donc j'y suis allé directement, hein, puis à la sortie du magasin, j'ai dit, excusez-moi, vous pourriez pas juste m'en donner un petit mais peu, quoi. Mais il fait le couillon. Non, voilà, et du coup, il nous a tout donné. Alors, nous avons les crêpes au chocolat noisette. Encore, des baguettes. Il y en a 9, donc... De la tomate pulpe, ça, on en a 2. Non, mais ça, ça va là, par contre. On a les rangements en dessous. Les îles flottantes, là, elles sont nouvelles celles-là. Elles sont à la vanille avec sauce saveur framboise. Donc ça c'est les îles de Madagascar. Tiens. Vu que c'est avec de la vanille de Madagascar. Non parce qu'ici on est fâché avec la Corse. Comprenez les îles flottantes en Corse, on n'a pas. Encore des baguettines, putain c'est pas vrai. Alors je me suis fait jeter et pourrir par ma femme parce que j'ai rajouté certaines petites commissions sur les courses, enfin bref. Mais elle comprend pas que je ne peux pas. Alors elle se prend des gâteaux, des machins, mais des moi j'avais mis sur la liste, ça a apparaissé. Oui, mais c'est moi j'ai des problèmes avec les frères coq. Alors tu sais que très bien que moi, c'est pas moi qui aime pas les biscuits, c'est les biscuits qui n'aiment pas. Alors du coup, je me suis pris mes biscuits à moi. Sans frères coq, oui, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Les tartes délicieuses sont aux myrtilles. Il vous dira comment il les a trouvées. Bah attends, on va faire un retour de. Ah non, tu vas pas goûter tout ce que t'as acheté, même un quand même. Là, nous avons un jarret. Alors. De bœuf. Je ne suis pas grand cuisinier. J'aime cuisiner. Non, 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 viens, 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 mon amour, viens. Viens, viens. Oui, pour le pot-au-feu. Mais ce qu'elle m'a fait prendre à la base, c'était du jarret de porc. Je me suis trompée. Oh, ça fait mal. Oui. Il est pas frais ton poisson! Non mais. L'huile d'olive tramée, là il y en a une pour 2 semaines, c'est suffisant. Et il nous en reste encore la moitié de l'autre de 1 litre. Donc ça va aller. On va la boire au petit déjeuner. Ici nous avons de la mayonnaise, ça c'est très important. Ça relève le goût. Ici nous avons, attention parce que je suis un spécialiste des sauces, c'est de la sauce rustica de frites. C'est pareil que chez les kebabiers. Non ? Bon, mayonnaise, on en a 2 comme ça. Celle-là, c'est des 710 grammes. Je pense même que j'en aurai pour plus de 2 semaines avec 2. Au pire, j'en aurai pour le mois, mais c'est pas grave. Là, le fromage de brebis, ça c'est pour la quiche porc au feta. Ah, j'y vois mieux d'un coup. Hop là ! Je rappelle que c'est ma femme qui porte les courses. Une moutarde douce. Comme ça, tout à l'heure. Pour la tarte à la tomate et pour Loulou. Moi j'adore les sauces, comme je vous dis. Comme tout à l'heure, par exemple, j'ai fait le feignant. On était arrivé en bas du chemin, c'est-à-dire à peu près entre 3 et 4 km. Et je l'ai fait remonter pour aller chercher les masques, parce que c'est foutu masque. D'un coup, on réalise qu'on a oublié les masques à la maison. Voilà. On a nettoyé la voiture, on a tout sorti, on n'avait pas envie. Bon, j'ai des voisins qui m'ont monté, qui m'ont redescendu. Ça va. Il est très bien. Ah oui, pardon, excusez-moi.
Donc ça, c'est du poulet corse, ou corse. Des aiguillettes. Et voilà, c'est des aiguillettes, nées et élevées en Corse, et préparées en Bretagne. Les blancs de poireaux. Les blancs de Bretagne. Non, c'est vrai, j'ai vu ça. La crème fraîche, ça je crois que j'en ai trois. Non, non, c'est bien tué en Bretagne. Ça, les cartouches d'imprimante, ça, ça, ça bien fait augmenter la note. Mais arrête de jeter les choses en l'air. Ça, c'est pour moi. C'est mon Milka. Le Nesquik. Ça, c'est pour mon 4 heures maintenant. Ça, c'est pour mon 4 heures maintenant. C'est les mini granola. Dans les granola, normalement, il y a des fruits à coque, mais pas dans ceux-là. Miracle. Alors, franchement, allez comprendre pourquoi. Dans les mêmes trucs. Oui, c'est bon, mais on l'a déjà deuxième. Présenté, celui-là. Bah. Oh, c'est bon, je le laisse celui-là. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Il y a les mêmes produits et pourtant en plus petit, il n'y a pas de fruits à coque, en plus gros, il y a des fruits à coque. En chocolat, je vais pas en aller pour 3 semaines, hein. Il y a encore le banania qui est neuf. C'est quasiment neuf. Banania. Et ça, c'est quoi? Banania. Attends, montre le bien. Banania. Ça, ça fait partie des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Mais j'en ai marre de bouffer des tartines beurrées le matin. Il y en a 8 dedans. T'as pas voulu prendre une autre confiture, c'est ça? Je veux la confiture de lait, il n'y a pas la confiture de lait, alors ça marche pas mis la confiture de lait. Les deux autres paquets de crêpes, ça c'est pour le goûter des petites princesses. C'est là-haut. Ah ben voilà, le troisième paquet. De la crème liquide, légère. Ouais. Non mais tu te fous. Elle est bien celle-là aussi. Là j'ai pris le shampoing pour moi, spécial... cheveux secs et abîmés, parce que j'ai les cheveux qui sont très vite secs. Ah, j'ai un truc dans l'œil. C'est celui-là. Je ne l'ai pas senti. Oh, il sent trop bon. C'est bon. Tu veux. Il sent trop bon. Moi, je vais te le prendre, ouais. Non, pas que je suis jamais sec. Ici, nous avons le deuxième paquet de presse. Et quand on s'est rencontrés, avant qu'on se rencontre, je ne sais pas pourquoi, sur mon portage, j'avais mis Petit Prince. Et il m'avait demandé ce que je prenais au petit déjeuner. Et j'avais dit, je mange des princes. Et il m'avait fait un truc avec ça. Oui, j'ai dit, bah, tu vas me bouffer quoi le matin. Des petits navets. Donc, du coup, je suis vite allé chercher des princes pour le petit déjeuner. C'était la seule chose que j'avais parce que, à notre rencontre, on avait une pizza. Enfin, j'avais une pizza congelée, petite. Hein, toute, non, quand j'ai installé chez toi. Ouais, quand t'es venu t'installer. Et du coup, bah, on s'embrassait. Et puis on s'est disputé et ça sonnait la fin. Oui. On vous racontera plus tard. D'ailleurs, à la fin de la truc, je vous pose une question. Voilà, ici nous avons des petits palets. Des petits palets. Des cuisses de poulet. Là nous avons des tagliatelles. Ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y en a encore. Hein. La deuxième, margarine. La deuxième, huile flottante version caramel. La troisième, crème fraîche. Le yaourt à la grecque. Le yaos à la grecque sur l'île de paix. La mayo, la deuxième. Et la deuxième, tomate pulpe. Ça sent la fin. Voilà. Là, c'est ça. Ah, et ben voilà. Oh, chérie, il faut faire attention. Ah ouais, mais attends, c'est quoi cette merde là? Et regarde. Il y en a un qui est tombé. Regarde. Et oui, mais et ouais, pas, mais... le penche pas plus. Ici, donc, nous avons, pendant que madame nettoie, nous avons des arros aux fruits. C'est pour les bébés. Voilà, faut que je nettoie. Ils sont trop mal faits, ces yaourts. Mais non, c'est qu'il s'est abîmé. Ça, c'est les aléas du direct. Hein, donc, nous sommes pas en direct, justement. Et des yaourts sucrés pour des... moi et mon ticket. Attends, il est passé mon ticket d'avant. Ton ticket, il est dans ta poche. Bon, au total, on a eu pour 282 euros. Sachant que. Charge voilà, comprise. Il y a les couches que j'ai pour le mois. Il y a le cadeau d'anniversaire d'Océane, que ça, je ne voulais pas montrer parce que c'est son cadeau à elle qui est inclus pour ses 5 ans. Tu sais ce qu'on a oublié? Quoi? Mes couches. Mes couches à moi. Et les cartouches d'imprimante, que ça c'est 40 euros déjà. Donc.
Donc tout ça a fait que forcément... Ça a fait doter la facture. Donc voilà, donc comme vous le savez, ceux qui ne le savent pas, on est 4, 2 adultes, attends, deux attends, enfants. T'as oublié quelque chose. Sur la route, comme il était midi, on a pris les sandwichs. Ah oui, et il y a les sandwichs qu'on a mangé. Et le Starbucks. Mais ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. C'est vrai. Alors, en tout cas, j'espère que ce retour de course vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like à la vidéo, ça fera toujours plaisir. Maintenant, on va ranger. Et le bois. Alors toi, tu vas ranger les courses, moi je vais ranger le bois, d'accord? Voilà, ça c'est tout du bois, mais moi j'en ai toutes les courses. Gousi. Donc on vous fait de gros bisous. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si c'est déjà fait, continuez, regardez. Et puis n'hésitez pas. Et prochain retour de... Parce que ça ne les courses prochaines dans 2 semaines. Mais il y aura d'autres petites vidéos entre. Regardez en bas là. En bas de la vidéo, il y a une petite cloche. N'hésitez pas à l'activer pour ne rater aucune de ces vidéos. Allez, sur ce, on vous laisse. Et puis on va ranger. Bon, moi je range les courses et toi le bois. Je pense pas que ça faisait autant. Allez, bisous les filles et les garçons.